cube. Une fois que ce sera lancé, voilà, parfait. Hop. Et donc on est en hard Apollyon boss rush. Donc faut aller vite. Il faut aller vite, il faut aller vite. Une salle à bombe. Cœur sur Vinodon, je ne connais pas mes cœurs. Enfin, j'ai deux cœurs avec Apollyon. Ouais, espérer que les items soient bons ou alors que les aspirations avec Void soient bien. On a déjà une clé. On a une salle double bombe. Éventuellement là-bas aussi. Si jamais on chope de bombe, on pourra peut-être tenter de la faire. On espère d'avoir un XL aussi, c'est toujours sympa les XL quand on cherche les boss rush. C'est un étage en moins à faire. J'ai dit que je faisais pas les caca, hein, donc par pitié arrête. Et on a que des ennemis d'élite, hein, ça sent qu'on joue en hard, on en a quasiment pas eu de la run d'avant. À peine on passe en hard. C'est full ennemi d'élite. Ok, on a tout ce qu'il faut ici. Alors par contre la salle est chiante. Comment on fait? Comme ça? On fait comme ça apparemment. Ok. Ok. Salut Xubi. Comment ça va? Ça on le mange. De la luck et de la shot speed. C'est pas du tout ce que je voulais. C'est clairement pas ce que je voulais quand je demandais des trucs bien. Enfin la luck c'est bien, mais une fois que tout le reste est déjà augmenté quoi. On n'a pas droppé de bombe pour la porte à bombe. On n'a pas droppé de bombe ni pour ce rocher marqué non plus. Ça vaut peut-être le coup qu'on aille en chercher une. Si on peut choper un cœur bleu pour le rocher marqué là. Ça pourrait être sympa. Alors. Ah et c'était Super Lost, dommage. Bah Super Lost il peut. Non qu'est-ce qu'il drop Super Lost, je sais plus. C'est lui qui drop le Dead Cat ou pas? Ok. Paralysis, bah dommage. Ça roule et toi, bon, moi ça va nickel. On approche de la fin de la save. Tu dis quelle fin? Je vise le boss rush. C'est écrit juste au-dessus. On devrait y arriver. Je crois pas l'avoir déjà tenté Apollyon. Ah si, si j'avais tenté Apollyon boss rush, mais il me fallait que je fasse Hush et boss rush dans la même run, si je me souviens bien. Et on était arrivé un peu juste pour le boss rush. On avait déboîté Hush, je me souviens. Ça avait été assez énervé. Mais la run a mis un peu trop de temps à se lancer. Par contre là ouais, du coup ça manque de dégâts. Ça fait 2 minutes 30 pour le premier étage. Je sais pas si... Ça va être compliqué. Pour un bon truc là en plus j'ai pas de quoi le manger. Oh Mister Dolly c'est bien. Là j'ai du tir, des cœurs... ouais. Bleu, noir. J'ai pas de bombe, pas de clé. Ah j'avais une clé pour le shop mais bon j'avais pas de quoi. Dommage pour la salle double bombe. J'aurais bien aimé la faire. Curse of the Lost, bah dis donc. Je suis gâté. Hein. J'ai bien aimé la faire. Bon, après, je sais pas trop. Faut essayer d'avoir eu un lit. Il va plus avoir un black market. Il a fallu une troisième bombe. Donc bon. Pas fou. Oh là, calme-toi. Ok. Nice. Oh là, petit freeze. Toujours pas de bombe, hein. Il y a le Void qui s'est rechargé, mais... Toujours pas de bombe. On est à 6 pièces, si on trouve le shop, on pourra y récupérer un petit cœur bleu en plus. Alors là, si jamais j'étais vraiment chaud, on pourrait tenter de faire exploser... Voilà. On pourrait tenter de faire exploser l'autre, là, sur le roche marqué. Mais est-ce que j'ai du temps à perdre à faire ça? Je suis pas sûr. On peut le tenter. Merde, bah super. Bah si, regardez, c'est bon, j'ai réussi. Vous êtes impressionné, hein. Là, vous savez plus quoi dire. 15 pièces, j'aimerais bien. J'aimerais bien la treasure map. Mais j'ai pas envie, trop envie de bomber la machine. Ah, c'est vrai qu'il faut qu'on finisse la machine aussi. C'est vrai que ça, c'est un des achievements qui nous reste. Ah, c'est terrible, hein. Comment ça se fait que j'ai jamais pris le temps de le faire? Normalement, j'ai jamais fait beaucoup de save d'Isaac, mais j'en ai fait deux, je crois. Une ou deux. Ça n'a jamais été un problème de remplir cette machine, je sais pas pourquoi là dans ce save on n'a jamais pris le temps de le faire. Enfin, bon, je pense que si on l'avait jamais bombé elle serait à 600 déjà. Je me souviens de cette VOD malheureuse où on avait besoin d'argent pour un combo à la con dans le shop. La machine avait pris un peu de tarif. Et en plus,
ce combat n'avait pas marché. Je sais plus ce qui s'était passé, mais c'était vraiment pas terrible, c'était pathétique. Alors que j'ai la chance d'avoir un Haunt. Ouais, bravo, c'est pas dévié. Il fait son Brimstone ou jamais? Ok, mais c'est bon. Enfin, prends ça aussi. Ça c'est nul. Le Devil Deal. Bon, on va prendre le vol, ça peut servir. 0,32 speed, c'est sympa aussi en... pour le boss rush. Un de dégâts, c'est bien. On n'a pas eu l'item à cet étage, j'ai presque envie d'y retourner. Là, il n'y a rien. En même temps, c'est Curse of the Lost, donc bon. Ouais, avec mon sens d'orientation limité, ça fait déjà 5 minutes, là c'était le shop. Ouais, allez, ça me saoule. Ça devait être à droite, je sais pas où, tant pis. Ouais, ça fait déjà 5 minutes pour faire 2 étages. Le problème, c'est que c'est les étages les plus simples, donc... Faudra un XL. Oh, t'as Curse of the Lost encore. On a eu 3 curses, hein. Ça, ça m'intéresse pas. On a eu un dégât quand même quand on a mangé le Mom's Heels, là, les talons de maman. Tac. Allez. Ok. Clef. Ah oui, bah bravo, ça c'était bien. J'ai bien bourré là. Ah, je pèle un spectral. Ok. Bon, cette salle du coup elle va être anecdotique. Avec le vol. Une grande salle. Ah oui, d'accord, bonjour. Je vois pas l'it. Ah bah si, il est là. Super. Les bons calls. Hop, 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 et hop. Ludovico. Je le mange. On a gagné du Tias de la shot speed. Ouais, j'étais pas chaud pour Ludovico. Ludovico, ouais, c'est pas. Avec Brimstone, l'autre jour, on a bien aimé, mais bon, sans Brimstone. Par contre, j'ai un demi-cœur, j'ai un cœur en fait, là je réalise. Tant pis, on va avancer. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est Double Trouble. Mais lui, par contre, il a filé un cœur bleu. On va plutôt attaquer les Larry, puisque Pin il peut tuer Larry. Bah, s'il se décide à envoyer ses bombes là. Ouais, envoie-les par là. Non, pas suffisant. J'aurais pu mourir là, hein. J'ai cru que je me la prenais. Allez, fait, non, fait, je le tue en dernier pour qu'il droppe les cœurs bleus. Putain, je joue n'importe comment. C'est vrai que quand il y a plusieurs ennemis, c'est le dernier qui droppe son truc. Eh oui. Là, il y a un cœur noir, ceci dit. J'aurais peut-être pu le prendre après le début si jamais. Oh là là. Ouais, va dans le feu, c'est bien. Je peux pas y retourner. Je peux vraiment pas y retourner, t'es sûr? Alors hop, là il va tourner. Je rappelle, hein, quand il vous dash dessus, c'est parce qu'il va faire l'attaque qui tourne. Ça va être un des seuls bons ajouts du Booster Pack 5. De télégrapher ce move. Non, j'exagère. Par contre, après, s'il fait tout droit ou en diagonale dans, dans les autres trucs, c'est 50-50. Hein. Ça n'y a pas moyen de le savoir avant. Enfin, je sais pas si c'est 50-50, mais en tout cas, il n'y a pas moyen de le prévoir. Ok, bah vamos. Hein. C'est pas fou. C'est pas fou, 8 minutes déjà. On n'a jamais pu prendre la treasure map finalement. Il va falloir un Depth XL, ce serait sympa. Ok. Oh putain, ça me touche. Clé. Ah, ce qui m'inquiète un peu aussi, c'est le build n'est pas mauvais. Mais j'ai pas beaucoup d'HP pour le boss rush. Puis j'ai pas de réceptacle de cœur rouge, donc même s'il y en a qui spawn pendant le boss rush, je pourrais pas les prendre. The Fool pour retourner au début.
peu utile. Enfin, si ça sert, mais... Voilà. Bah ça sert justement quand on est en run normal et qu'on veut voler un objet au boss rush sans le faire. Mais nous on veut le faire le boss rush donc... Donc c'est pas fou. Paf. Moi je vole donc toi tu m'intéresses pas. Clé. Ok, l'item est là. Allez, un truc là. Je sais pas quoi, mais un truc. Petit Eclipse là. Petit. Bon, Parasitoïde, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais c'est pas foufou. Ça fait que des fois on tire des œufs à la place de tirer des larmes, mais ces œufs, quand ils touchent un ennemi, font spawn. Non, là j'abuse par contre. Là j'abuse clairement. On spawn araignée ou mouche, je sais plus. Cœur bleu. Bombez lui. Hop. Enfin, il me semble que c'est ça, parce que j'ai pas l'impression que ça marche vraiment. Ah si, c'est bon, regardez, c'est bon, ça fait des mouches. C'est ça, c'est ça. Mais après, il faut de la luck, quoi. Ah merde, la clé, bah tant pis. Ah, j'ai pris trop de dégâts stupides là. C'est dommage. Ok, alors. Petit Magic Mushroom au milieu là. Non, pas du tout. En parasitoïde, c'est sympa quand même, hein. Ça fait du DPS en plus. Attention à lui au milieu là. Ouais voilà. On a juste tué lui. Ok parfait. Tue toi. Oh attention. Ok. On va peut-être faire les flammes là. 1, 2 et un en haut je crois, je l'ai entendu drop. Bonne récolte, la bonne récolte. Je sais pas ce que c'est les taux de drop dans les feux mais... Non, ça par contre, non mais ça c'est interdit, j'ai pas le droit de prendre ces dégâts. Hop, une pièce. On a eu l'item ou pas? On a eu l'item, on a eu le shop, on a tout eu, on se casse. La tâche. Allez. Alors. Mais j'ai l'Hump of Call en plus donc faut que je me... Putain j'avais oublié que j'ai l'Hump of Call. Faut que je me mette loin. Plus de dégâts. Super, HP up juste avant le Devil Deal, c'est nice. Le Dark Bomb, je pense que ça m'intéresse. Je pense que le Dark Bomb ça m'intéresse pour qu'il me file des cœurs bleus à la place des cœurs rouges. Ok, 11 minutes. C'est nice. On n'a pas de XL. On a le truc à pilule. Qu'est-ce que c'est? Pretty Fly, très bien. Protection contre les projectiles. Hop, hop, avec Cricket Sed là. Non. Mais quand même un coffre bien fourni. Hein. Bravo, ça c'était intelligent. Allez, je le fais quand même. Ah, oh, c'était nul. The Sun pour le mapping et The Fool pour me casser. Hop. Il me semble que les drops sur les feux bleus ça dépend de la luck. Oh, je suis pas convaincu de ça. Ça, je suis pas convaincu. Peut-être, hein, mais. Enfin, après, j'ai que Unlock là, quoi qu'il en soit. Donc, dans tous les cas, c'était un. C'était une bonne RNG. Ça, c'est nul, je le mange. Du Tears Up et de la range, parfait. Temps à te bomber. Hop, hop. Je prends tout l'argent. Ah, ça va être tendu, hein. Ça va être vraiment tendu. Du coup, j'ai activé The Sun, donc j'ai le mapping. Ok, une salle vide, ça m'arrange. On va pouvoir bomber aussi. Tears up. Je préfère bomber à cet étage, parce que là, au moins, je suis sûr que je vais dans la bonne direction. Alors qu'au prochain étage, ce sera pas sûr. Grosse phrase, grosse analyse.
Mais vous m'avez compris. Là, vu que j'ai activé The Sun, je sais où je vais, donc c'est plus safe de bomber, quoi. Ok, ok. Oh là là, attention. Allez, ok. Bravo. C'était nice, ça. Hop, la bombe est remboursée. Bon, ça devrait le faire, en vrai. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas pourquoi il tire, là. Ah oui, les parasitoïdes, quand l'œuf touche, en plus, ça fait du crit par terre qui ralentit l'ennemi. Donc c'est un bon objet, en vrai. En vrai, c'est un bon objet. Je disais que c'était pas fou, mais c'est un bon objet. Hop là. 36%, est-ce qu'on a encore le devil deal? Oh là là, incroyable. On va prendre le cœur avant. Ah, c'est pas dingue. C'est pas dingue. J'ai quand même envie de prendre Cambion Conception et Betrayal. Ou alors on se dit que je garde mes cœurs. C'est peut-être plus safe de garder mes cœurs. Cambion Conception, c'est pas mal quand même. Surtout, je risque de prendre pas mal de coups là. On va prendre que Cambion Conception. Ah, et là on a droppé ça. Allez, on le prend pour rigoler. Donc ça nous laisse 5 minutes pour... C'est ça, hein. Ouais, 5 minutes 30. 5 minutes 30 pour trouver le boss. Ça devrait le faire. J'ai pas trop de malchance. Bon, ça nous a bien aidé, hein, quand même. Sinon, on serait allé faire des salles de l'enfer, là. Bon, en fait, ça me saoule, ce trinket. Désolé. Faut le boss et le tuer. Ouais, mais Mom avec ce build, ça va être anecdotique. Enfin, j'espère. Quand même le temps de faire tout ça. Toi, des speedruns par l'un qui est go délire 24 cash prize. Comment ça? Quel jeu? Leur jeu de mort, là? Enfin, pas leur jeu de mort, pardon. Leur jeu... Désolé. Le jeu... comment ça s'appelle? Penumbra, là? Le D1, mais c'est Clacos? Two of Diamonds, j'accepte. Minecraft, Portal 1, Céleste et Sekiro. Oh, stylé. Mais c'est comment le... C'est genre accessible à tous? C'est streamé, c'est dans une salle? C'est quoi le D1? Tu l'actives, le D1, et ça duplique un consommable qui est dans la salle. Donc c'est pas dingue. Je crois que ça se recharge bien. Il y a moyen de faire des abuses avec des batteries. Parce que si on a la seule truc dans la salle, c'est une batterie, tu peux le... Enfin, il y a des trucs qui se passent. Putain, je sais pas ce que je prends. Sekiro machin, je sais pas ce que c'est. Minecraft Any% glitchless 7 seed. Ok, c'est Any% portable glitchless. Et les calibres jusqu'au 13. Non, je pense que c'est speedrun les 4, genre ultime décathlon. Bah, pas décathlon du coup, mais quadrathlon. Est-ce qu'on prend le sac de sac? Est-ce qu'on prend le sac de sac? On va peut-être. On va prendre le sac de sac et on va reroll. Sac de sac qui donne des sacs. Diplopia, c'est très bon. Est-ce qu'on... Putain, et si je diplopia les items du boss rush, est-ce que je peux tous les prendre? Ou est-ce que si j'en prends un, ils disparaissent quand même? Ou est-ce que c'est comme dans Angel Room? Ah non, diplopia le boss rush, c'est du génie. Diplopia le boss rush, je pense que c'est du génie. Et Hive Mind, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Parce que si c'est... Ah, bravo. Si c'est comme les Angel Room, je vais pouvoir tout dupliquer. Tiens, je vois, mais je suis déjà capé. I can see forever. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Je vais pouvoir tout dupliquer et prendre le meilleur objet de Boss Rush plus les 4 dupliqués. Enfin, en admettant qu'il y en ait 4. Si on n'a pas 4, c'est un peu de la merde. Mais après, il peut y en avoir 8 aussi. Ça existe les Boss Rush à 8 items. Il ouais, y a beaucoup d'infos sur le chat là, mais je suis occupé. On en reparle après le boss rush. On en est où? Alors, Hive Mind ça régale hein, parce que ça augmente les dégâts des mouches et des araignées. Et avec Parasitoid, on en spawn quand même pas mal. Oh oui, vas-y, Dark Bomb régale toi. Alors, attention, Dark Bomb, je vous rappelle dans cette salle, il n'y a que des queues rouges qui peuvent spawn, donc il faut bien sortir pour récupérer les bleus. Voilà, parfait, il nous voit bien à l'as.
On a 17,05 en ultra large. On a le temps d'aller faire autre chose. Je pense que non. On a déjà double pied anyway. Paf. Mom sur le rocher marqué. Alors c'est Mom rouge, hein. Elle est censée tomber du pied souvent, mais... Ouais, c'est bon, elle est énervée. Ça commence. Paf. Allez, un boss rush à 8 items, là, ce serait sympa. On va prendre le négatif, peu importe. Hop. 4 items, ok. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Il y a des califs jusqu'au 13 février. Ensuite, ils prennent les deux meilleurs de chaque run. Puis, tournoi à Lille sur chaque jeu. En 1v1, gagnant 4k, perdant 1k. Casse par Sardoche et étoile. Donc, c'est besoin de savoir en run qu'un pour être calif. Si, en prenant Pola. Ouais, le Pola, pardon. Mais du coup, j'ai pas compris le principe. Ah, oui, en fait, tu dois en run qu'un pour te qualifier. Et si tu te qualifies, tu dois prendre les autres. Ok, bon, peu importe. Donc, là, je fais Diplopia. Donc là c'est quoi le meilleur objet? En fait je peux, si j'ai bien compris, il y en a un que je peux prendre en double et tous les autres je vais pouvoir les prendre qu'une fois. Donc ça on peut le prendre qu'une fois, le Dilos c'est le truc de Samson, de toute façon ça marque une fois. Ça c'est pas fou, ça c'est pas fou. Est-ce qu'on prend deux Experimental Treatment? Ouais c'était tellement bon call. Parfait. Bon, l'expérimental treatment, je sais pas ce qu'il nous aura fait du coup. Non, on va casser les cailloux là, voilà, parfait. Le chemical peel, les larmes. Les larmes chimiques là. Oh là là, attention! Le bloat. Ok. Ah, du coup, il est slowdown, c'est cool. Il y a un caillou là, pourquoi je. Ah merde. J'ai un shield, alors pourquoi? Ah, bah c'est le pola, oui, justement. Ah oui, j'ai perdu Maker avec Experimental Treatment, donc nice. Nice, nice, nice. Oui, c'est le pola, ouais, je viens de tilter. Ah, le sac de sac qui va nous régaler, qui va nous filer des trucs. Paf, paf. Monstre 2. Et Forsaken. On va peut-être activer For... Merde, Monstre 2. J'allais dire, on va activer Forsaken pour qu'il bolosse Monstro 2, mais. Mais finalement. C'est l'autre qui a été plus rapide. Guiche. Guiche qui va ressortir d'ailleurs, le saviez-vous? C'est un des premiers jeux de Macmillan. Il est en train de travailler sur un remaster. Et tant qu'on parle de Macmillan, Rip and Tunes va sortir en été 2020. Voilà. Été 2020. Alors, j'espère pour mon. J'espère que ce sera en septembre. Début septembre, techniquement, c'est encore l'été. Pour que je puisse le streamer. Parce que je sais pas si je pourrais streamer cet été, j'espère. Mais pas sûr. Pas signé encore. Et j'aimerais bien le streamer, quoi. Pour qu'on découvre ça tous ensemble. Paf. Paf. Bon, le boss rush, ça va être une formalité. Hein. Normalement. Normalement, ça va bien se passer. Je pense que c'est Hivemind qui nous carry. Pourra-t-il finir After Plus d'ici là? Non, mais tu plaisantes, Romicron, là. After Plus, c'est fini quasiment, là. Hein. After Plus, la semaine prochaine, c'est fini, hein. Ah ouais, la machine de don, ouais, j'avoue que... La machine de don, je la remplis avec vos bits. N'hésitez plus. Quel connard. Non, mais ouais, la machine de don, un jour. On prendra Keeper et on bourra la machine de don. Non, mais en vrai, non, plus sérieusement, Afterbirth Plus, c'est fini la semaine prochaine. Hein. Afterbirth Plus, dimanche prochain, c'est fini. Hein. Ah bah c'est déjà fini, ok d'accord. Donc on a débloqué déjà deux succès en plus. Parce que je cite... Non mais là il me faut juste 15 pièces. Ouais non mais oui mais il me faut juste 15 pièces mais... Taurus, dédicace au taureau du chat. Paf.
Je suis taureau d'ailleurs, le saviez-vous, quand même. Dédicace à moi. Donc Taurus qui nous diminue notre speed, mais qui fait que dès qu'on rentre dans une salle, elle augmente progressivement, et quand elle arrive à fond... quand elle arrive à fond, on est invincible. Incroyable, je suis taureau aussi. Bah dédicace à toi aussi alors. Ça c'est quand même dingue. Allez, fais 4 scènes. Non. Oh, je l'ai allumé. Mais attends, mais je fais combien de dégâts là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je veux martyriser? Ah, mais c'est Lump of Coal, putain. Ah ouais, Lump of Coal, yes, yes, yes. Donc à voir, c'est même pas obligé de connaître les autres. Ah oui, parce qu'il y avait eu un truc, attendez. À l'issue de cette date, les deux meilleurs temps du classement de chaque catégorie sont sélectionnés et iront aux barrières. Ah, le barrière, bien sûr, les casino barrières. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Qu'est-ce qu'on ferait sans les casino barrières? Paf. Tears down. Bah peu importe, j'étais déjà tellement en avance de tears que. Que j'ai même pas eu le debuff. Ah voilà! Enfin, le son est weird, hein. Donc là, ce qui serait bien, c'est qu'on chope un... Oh, s'il n'y a pas un petit cricket cell, là... Là, ce qui serait bien, c'est qu'on chope un orbital qui fait des dégâts. Tu râles, mais l'event a l'air nice. Non, mais je râle, oh, ça va, on rigole. En plus, l'event, t'as l'île. Non, mais alors, toi, t'es vraiment supportable. Bon, les autres membres du chat, là, l'île, c'est quel tiers? Ah, j'ai vu Hypierre, là, qui a sorti une tier list des villes de France, là. Bon, moi je suis pas vraiment d'accord avec tout, mais bon. C'est comme d'hab, quoi. Les tier list des villes, de toute façon. Oui, bah oui, toi je sais bien que toi tu l'as bien aimé la tier list d'Aide Pierre. Merde. Putain. Pareil que c'est bien. Non, mais par rapport à Lyon. Ouais, non, mais moi non plus j'avais foutu les pieds. Trop dans le nord. C'est vrai. Je deviens un streamer mainstream, je commence à faire des tier list de villes. Table. Comment ça, Lyon c'est trop dans le nord? Qui sait que c'est connerie? Ah, y'en a qui te diraient que Lyon c'est dans le sud. Hein. On connaît... Mais putain, mais au secours, je vais pas prendre tous les dégâts de la terre. Après, on a le Dark Bomb pour nous carry. Aucune originalité. Non, aucune. Oh bah alors. Petite échelle de corde. Je suis un ersatz. Je suis un ersatz d'autres streamers. Bon, on me donne le décoil. Ah, c'est pas du tout. Si, c'est le décoil, ouais, d'accord. Lui, on le pose, il explose. Et il fait des sacrés dégâts, je crois. On pourra peut-être le tester sur un boss. Ou alors, on se TP à la Dark Room. Non, pas du tout. On se TP pas du tout à la Dark Room. On a pas du tout assez de cœur pour faire ça. Paf, paf. Paf. Des bombes. Ok. Hop. Paf. Paf. Est-ce qu'il y a un rocher marqué là, non? C'est inadmettable. Par contre là, il y a la secrète. Ça, je l'ai lu. Pas du tout. Bonjour. Alors ça, c'est nice parce que je suis sorti de la... Ouais, j'ai pas besoin de payer là, du coup. Le chariot, l'impératrice, la justice. Et le 2 de club. On va garder la force. Je suis sorti du Curse of the Maze par cette salle, du coup j'ai pas eu besoin de payer la clé pour rentrer. Bon, j'ai pas de problème de clé, j'ai clé infinie, mais... Bon, ça c'est un autre petit trick. C'est pas terrible ça. Hein. Alors ce colis, je colle ici. Trop tôt, dommage. Ouais, la musique de la librairie, ouais. T'as encore ce collègue, ça, encore tu vois lui. Ah non, Lump of Coal. Alors du coup, est-ce que les araignées et les... Ouais, non, ça, non, je... non, pardon. J'ai dit un truc qui a aucun sens. Mais et mon Void, il est passé où? Pourquoi j'ai pas mon Void? Ah, parce que j'ai pris Diplopia pour le boss rush, d'accord. Pascal que Pispo. Est-ce que ça m'intéresse? Alors, est-ce qu'on peut tricher avec Strength? On peut tricher avec Strength, parfait.
Vu que Strange donne un cœur temporaire, on peut servir ce cœur temporaire pour tricher au Devil Deal. Et ça, c'est nice. La salle d'arcade. J'ai le négatif. Non, j'ai le pola. Bon, bah, alors, si j'ai le pola, on peut faire toi. Ça coûte cher quand même. Hein. T'as intérêt de m'agaler. Hein. C'est nul. Bonsoir, la chaise. Hein? Comment ça, bonsoir, la chaise? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il parle? Est-ce que lui, il n'y a pas moyen qu'il nous régale? Non, mais de toute façon, le mendiant clé, c'est. D'accord, j'ai rien dit. J'ai failli m'énerver sur mendiant clé, mais finalement. Finalement, ça va. Oh la one mec sous largeur, attention, l'achievement. On l'a toujours pas cet achievement, je crois. Hein. L'achievement des augmentations de taille là. Putain, s'il n'y avait pas claqué mon strength. Voilà, plus que jamais, il nous faut un Magic Mushroom. Hein. Et là, il n'y a pas un cricket set là? J'ai ouvert combien de coffres dorés dans ce run là? On m'a jamais donné cricket set quoi. Est-ce qu'on fait tout d'achievement? Ah bah oui! Non, mais c'est quoi cette question? Comment ça? Comment ça, Romicron? Bien sûr que oui! Ouais, jusqu'au bout de la save. Oh merde! Même les 999 pièces dans la machine. Alors. Là, on est d'accord que Guppyspo, ça fait rien. Mais si je prends la Broken Remote. Ah oui, ça marche! Le boss, s'il vous plaît. Ah, parfait! La Broken Remote qui fait qu'on se dépêche chaque fois qu'on active notre item. Attendez, je cherche le boss, s'il vous plaît. Le boss, s'il vous plaît. Ah, je crois qu'il va pas me le donner. Hein. Ah, et par pitié, là, j'ai exploité toute la map, là, j'ai peut-être droit à un moment de. Ah, je suis impatient. Allez, là. Ah, la Curse Room, bah, ça me plaît. Rien. Deux curbs. Bon, il va falloir que je la fasse, cette ça, j'ai l'impression. Ça fait 400 fois qu'on me la donne. Meilleur gameplay. Ouais, là, j'espère que vous êtes content. Abonnez-vous. Hein. Là, j'espère que. Ouais. Contenu de qualité. Et il me TP jamais au boss. Ah, une super secrète. C'est sympa aussi. En plus, c'était deux fois dans la salle juste à côté. À côté du boss? Non, mais quand même, j'aurais arrêté de me TP si j'étais à côté du boss. Le contenu de tout à soi, c'est tellement satisfaisant, je trouve. Bonjour. Tears down, bah non. La paralysis non plus, ceci dit, mais bon. Ok, il y a une salle double clé là. On peut la faire. Un reroll de perso. Ah. Bon, j'ai bien envie de lancer un vote, mais bon, tout le monde sait ce qui va se passer si je lance un vote pour reroll mon perso. Est-ce que j'ai vraiment envie de reroll mon perso, ceci dit? Salut le Rémi. Ah, c'est bon, je trouve le boss. On était effectivement pas très loin. Non, on va le garder ce build là, il est rigolo. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Ah mais c'est bon, y'a rien à faire. Oh non, merde. Putain, par contre, on peut faire Hush. Est-ce qu'on va faire Hush? Petite run, ouais, petite run, ouais. Pour l'instant, ça va. Est-ce qu'on va faire... On peut aller faire Hush, par contre, pour rigoler. Allez, c'est parti. J'ai 99 pognons, en plus, on va se faire plaisir. Ouais, ouais, la run, ça va, nickel. Curse of the Lost, bon, j'ai pas la map, c'est un peu chiant, mais bon. Cricket Sed là, putain, mais j'ai jamais rien eu. T'as rien d'autre avec ce perso de toute façon. Non, non, c'est tout bon, il nous manquait juste le boss rush là, on a juste, juste pour le fun. On peut faire un Delirium aussi. Il y a une machine à hoche. Non, il y a pas de machine à hoche. Hey, merci du follow, JeremOM38. Ah, mais c'est. Salut. Pardon, j'ai mis un peu de temps à réagir. Bon, bah, Death Touch. Hein. C'est bien mignon, mais
C'est bien mignon, on va prendre des stats. Et salut du coup, comment ça va? Oh là là, mais c'est quoi tous ces items là? Le parasite pour le split shot ou la cuillère pour les homing tears? Ah honnêtement, je sais pas, hein. Parce que le split shot c'est super fort, mais homing c'est rigolo aussi. On va faire un sondage. Alors c'est parti, on fait un sondage. Alors, ça n'écrit pas. Pendant que je vais faire mes achats au shop, on va faire un sondage. Regardez, ça va être insane. Alors, quel objet? Point d'interrogation. Parasite. Spoon. Bender. C'est la cuillère. Paf! On va mettre 2 minutes. On va serrer des fonctionnalités de Twitch. Alors ça, c'est incroyable. C'est parti, vous pouvez voter. Ça s'affiche là-haut aussi. Va enfin, là-haut parce que la caméra est inversée maintenant. Faut que je prenne le réflexe. Enfin, ça s'affiche vite fait, c'est un peu laid, mais bon, voilà. N'hésitez pas à voter. N'hésitez pas à utiliser les bits pour revoter. Quelle raclure. Et n'hésitez pas voilà, à vous abonner pour compter deux fois comme PHB. Bravo. Hein. Non mais regarde, Romicron. Romicron, j'ai 99 pièces, la machine elle se bloque au bout de 3. À un moment, merde. À un moment, moi je veux bien faire des efforts, mais le jeu coopère pas. Hein. Ah, je suis désolé, hein, mais bon. On va prendre ça pour le boss. En plus, je suis Beelzebub. Encore une Pretty Fly. Parfait. Bon, 2 minutes, c'est un peu long. Hein. On va arrêter au bout d'une minute. Paf. C'est quoi le truc influenceur avec les Echicoins? Bah, typiquement, là, si t'as, je sais plus combien d'Echicoins, tu les payes et tu forces l'objet que je prends. Ou alors, tu me forces d'en prendre aucun des deux. Ou alors, tu aurais pu me forcer à faire la salle de D4 dans l'étage d'avant pour y roll mon build. Ce genre de choses. Sachant que j'ai le droit de refuser et qu'il faut faire attention au délai. C'est mal que ce soit tout là en haut à gauche. Ouais, c'est normal. Bon, ça m'emmerde. Le résultat maintenant. On est sur du parasite. Et bah, c'est parti. Ouais, c'est tout là en haut à gauche parce que j'ai jamais pris le temps de. Et je vais y prendre Spoonbender. J'ai jamais pris le temps de le mettre mieux. C'est quoi toutes ces mouches là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais le boss clairement dans la sauce là hein. Ah le boss clairement clairement il est pas bien le boss hein. Ah oui. Parasite qui gagne hein. Xubi contributed 1 bits. Énorme. Bravo Xubi, merci. Ah c'est... très impressionnant ces fonctionnalités de Twitch. Bientôt les streams sub only, hein, je crois. Vas-y, c'est faune plus de mouche, ouais. Ah, il paye pour... Qu'est-ce qui se passe? Alors je dois bien vous avouer que je comprends pas tout. Hein. Mais c'est très élégant. Ah c'est quand il fait spawn ses mouches. Ah c'est... Ah oui. Ah c'est beau, ouais. Est-ce que j'ai Death... Ah oui, j'ai Deathstoss, donc c'est piercing. Ah ouais. Ah ouais, yes. Ah ouais. Ah mais... Attends, heureusement j'ai les... Attends, mais d'un coup, il y a 4 araignées qui me sautent dessus. Oh mais c'est trop bien ce build. Oh, on va faire Delirium là. Oh là on fait Delirium. Hein. Non. Et je voulais sortir les mouches de la jarre. Pardon, j'avais oublié que j'avais la machine. Putain, heureusement que mon build est craqué. Désolé, j'avais oublié que j'avais la broken remote. Pardon, désolé. On va la déposer là. Carton rouge. Ouais, désolé. Je voulais me remettre des mouches. Non mais c'était pour refaire. Pardon, pardon. Non parce que comme ça au moins ça me faisait 20 mouches. Non parce que là le build est correct mais imaginez j'avais fait ça avec un build de nul. Où j'avais dû suer la sueur de mon front pour rien mettre le boss à 10% de sa vie. C'est pour ça qu'on prend pas la broken remote d'habitude.
Non mais c'est bon, ça va aller vite. Là je peux activer mes mouches mais sans me téléporter. Alors là je pense qu'il faudrait qu'on soit Guppy là. Ah ouais putain, oh là là, mais c'est si beau là quand les larmes elles font les... Oh là là, c'est... Ah je suis... Ah je suis subjugué. Ouais, parce qu'en fait le Death Touch fait que ça proc sur toutes les mouches. Et du coup ça fait... Ah ouais, piercing plus... Oh là là, oh, c'est... Ah ouais. Oh c'est beau ouais. Ouais c'est beau. En plus ce boss est slow down. Oh j'ai un milliard de... J'ai un milliard de mouches et d'araignées là. Ah merci pour le clip là. N'hésite pas à le poster dans le salon clip du Discord. Yes yes yes. Bah, du coup il y a tous mes débris de larmes là. Est-ce que je le touche de là? J'ai l'impression de le toucher. Au secours. Au secours. Allez. Ah, j'aimerais être 20 mouches, hein, je passe après. Hein. Ouais, il prend quand même pas mal de dégâts. Hein. Ça devrait bien se passer. Hein. Oh là là, mais. Mais c'est trop bien. Oh, j'ai. Non, j'ai pris un dégât. Ah bon, on peut lui mettre un pentacle. Non, mais là, il est un peu relou. Il fait un peu des patterns relous pour qu'on lui mette un pentacle autour de lui. Et c'est terminé. Le build est tellement bien que t'as voulu faire hush deux fois juste pour la commu. Ouais bien sûr, moi je pense à ma commu avant tout. On va garder... Pourquoi j'ai un cœur rouge? Hein? Pourquoi j'ai un cœur rouge là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pris? Ah j'ai le cœur blanc, j'avais un cœur blanc. On va garder le Pispo. On va pas prendre un Broken Remote. Oh là, attention, on va faire des Léums on a dit. Allez, c'est parti. Bon, là, j'espère qu'on va finir Guppy. Hein. Est-ce qu'on peut avoir la transformation machin, là? Ouais, ça fait 3. Plus que 2. On va farmer, hein. On va farmer pour avoir l'achievement de ces morts, là. Ok. Il me semblait que je voulais casser les champignons, mais... Oh, mais c'est si satisfaisant. Ah, désolé, je vais le dire à chaque fois, mais... Ah, par contre, les champignons, je peux les casser avec mes larmes... Mes larmes jaunes là. Ah, une fois Magic Mushroom ou Strength. Ou ok, Property Fly, c'est nice. Ou des pulls, One Make Two Largeur. Ça, c'est un achievement un peu relou. Faudrait que je regarde tous les achievements relous qui nous restent. Pour que je commence à y réfléchir. Enfin, pour que je prenne la décision de les faire si jamais l'occasion se présente en run. Willis, 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 Willis. Une bombe. Pas Guppy. Oh là là, oh là là, oh. Oh, c'est satisfaisant. Oh, tout cet argent là. T'as tout cet argent que j'aurais pu être dans une machine si on m'avait laissé. Il y a eu deux nickel, bah deux dimes. Deux dimes dans les. Dans les... merde. Dans les caca jaunes. Il y a des achievements qui impliquent de mourir. Oui. L'achievement pour 6 sorts, il faut mourir 100 fois. Donc j'espère que ce sera le dernier qu'on fera. Normalement, on devrait boucler le jeu en moins de 100 morts. À moins que The Lost, ça se passe vraiment pas très bien. Bonjour. C'est Scolex. Là, on doit être une trentaine, quarantaine de morts, je pense. On devrait réussir à faire le jeu en moins de 100 morts, donc... Guppy Stay. Ça fait deux ça ou c'est le premier? Je me souviens plus. Non, c'est le premier. Hein. On est encore loin de Guppy. Ah non, Guppy Spo. Non, non, c'est le deuxième, je Guppy Spo. Bien sûr, la peau.
Le rasoir de maman, c'est pas une cam de Guppy. Ouais. Oui, je l'ai encore sur moi. Oui, c'est pour ça, je viens de le voir à l'instant. Quel massacre. Ouais. Death. Oh non, ça c'est nul par contre. Hein. En plus, ça marche même pas. Ça, c'est un truc où je crois que tu peux activer ton item en payant des cœurs. Je crois que tu peux game break avec ça, avec certains items, mais bon. J'ai pas très envie. Là, on est suffisamment fort. On a rien arnaqué en plus là. Hein. Le build est venu comme ça. Hein. Enfin, ça, c'est grâce à vous, parce que si on avait pris. Enfin, c'est grâce à tous ceux qui ont voté Parasite. Tous ceux qui ont voté Spoonbender, pas GG. Hein. Et Diplopia le boss rush. Ouais, c'est. Ah, si, c'est vrai qu'on a Diplopia le boss rush. Mais c'était pas dingue. Qu'est-ce qu'on a eu dans le boss rush? C'était pas non plus dingo. Hein. On a eu double experimental treatment. Le truc de Samson. Le truc pour tirer des dents là. Ça, c'est nul. Et c'était quoi le dernier? Ah oui, c'est les larmes acides. Bon, les larmes acides, ça va, c'est correct. Peut-être qu'on va choper notre Magic Mushroom grâce à ça, donc... Bon, en tout cas, ça a clear les salles de manière assez efficace. Hein. Ça, c'est l'avantage. Eh, Magic Mushroom, là. Cricket Said. Ah, dommage. Suicide King, non. Surtout pas. Oh, j'ai Strength. J'ai Strength. Il nous faut juste une pilule. Le Magic Mushroom... Bah c'est tout. Hein. Ouais, j'espère que je vais l'avoir. On va taper tous les champignons de la terre. Si je rate des champignons, vous m'engueulez. Hein. Que du size down. Si, mais on s'en fout, je crois. Hein. Enfin, j'espère. Faut juste activer 5 fois le truc. Peu importe. En fait, c'est pas. On s'en fout de la taille que t'as au moment précis. Blast aussi. Ah bah oui, mais lui il va pas kiffer la vibe. La musique c'était étonnant. La grosse mitre. Malheureusement. Ah mais j'avais récupéré Demon Slave, ouais, d'accord. Bon, on va full clear, on va full clear pour l'achievement. Ah c'est ça, je prends un dégât, je crois. Hein. Non. Avec toutes mes pretty fly. Encore 10 balles. Le bloat. Bah casse-toi bien. C'est pas ça que je veux. Ouais, ça je m'en fous. On va le prendre quand même parce qu'un cœur rouge et 3 cœurs bleus, si vraiment par miracle les ennemis arrivent à nous toucher, si jamais on est dans la merde, au moins on pourra utiliser quelques spots dessus. Là il y a R. Oh, allez, non, pas si près du but. Pas si près du but, par pitié. Avec Cricket Said. À force de le call, il y a bien un moment où on va l'avoir. Enfin, je vais l'avoir au seul moment, je vais pas le call. Prochain coffre, je le call pas. Alors que je me suis fait toucher par Deep. Ace of Clubs, non. Rendez-moi ma strength. Ah, il y a peut-être des champignons dans la salle en dessous. C'est une salle de flodette, je crois. Putain, il y a des champignons et personne me le dit. Aïe aïe aïe. Ouais, il y avait rien, vous avez de la chance. Ouais, c'est. Ça régale. Hein. Le build est un peu puissant là. Putain, ils vont jamais me donner la pilule qui me manque là. En plus, il y a une run où on avait game break, on avait pu le faire. C'est Bigos qui nous avait indiqué ça. Sauf qu'il avait. Il avait trop galéré à nous dire où était cette pilule. Du coup, on a cru qu'on l'avait pas revu. Mais j'étais allé voir la VOD et effectivement, il y avait la pilule où on avait tout l'argent. C'est une run où on pouvait tout dupliquer. Donc on aurait pu effectivement faire la chief, mais. Mais voilà, il y a eu mésentente avec le chat. Putain, je nettoie même les cailloux avec les larmes acides.
fait, quand je suis invincible à cause de Taurus, là c'est quasiment un nerf. Vu que je peux plus tirer. Et que j'ai pas forcément d'orbitaux qui font des dégâts. Bah j'ai la petite mouche jaune et le rasoir, mais bon, c'est pas. C'est pas folichon. Allez là, il manque juste une... un truc. Ah mais c'est fini? Ah, bah rip. Préfère font pas de dégâts. Si, mais très peu, je crois. Bah rip, hein, du coup. Hein. À moins qu'il se passe quelque chose à Delirium, mais... Je vois pas ce qui pourrait se passer. Bon, je vais activer le Magician, comme ça on aura quand même les tirs homing. Je sais pas si on a fait la cheve homing par homing. Homing alors qu'on a déjà homing. On a pu le faire si j'ai pris Spoonmander. Faudrait que je regarde la team qui me reste en vrai. Bon, c'est expéditif, hein. On va activer Strength. Ça se trouve dans la salle secrète, il y a ce qu'il faut. Et je viens de ruiner parce que j'ai activé Strength. Est-ce que j'ai vraiment envie de chercher la salle secrète à Void? Ça, c'est une autre question, un autre débat. Aïe. Bon bah c'est... Ouais, ça a été... Ouais, voilà. Ça a été expéditif. Dommage qu'on ait pas pu faire la cible de la grosseur. Hop. GG plus 1 aigu. Paf. Bon bah voilà, du coup maintenant c'est terminé pour Apollyon. Putain, on a 8 de win streak, ça c'est énorme. Il va nous rester Boss Rush Keeper et Mega Satan Forgotten. On va faire ça maintenant. YouTube, je te dis à la prochaine. Salut.